amours, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, calendrier de l'Avent. Voilà encore, ouais. Ah bah vous allez en bouffer des calendriers, je vous le dis. J'en ai acheté 15, donc vous allez en bouffer. Hein. Calendrier de l'Avent AVO. Alors AVO, c'est la marque de skincare, enfin de soins en tout cas, de la droguerie marque Mouleur. Ouais. Ouais. Première année qu'ils sortent un calendrier de l'Avent, je crois. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas. Il est pas cher du tout, ce calendrier. Hein. Il coûte 14,99€. Alors, autant te dire que vraiment, il coûte que dalle. Bon, j'essaie d'enlever désespérément cette fucking autocollant pour accéder au fucking produit, mais bon. Non, c'est bon. Attends, c'est une canne en carton. C'est bien, ça. Oula. Alors, c'est bien, mais en fait, non, c'est nul. Oh putain, il y a tout qui s'est pété la gueule. Super. Bon, alors attendez. Alors, attendez. Ouais, ah bah, ça a l'air bien, ça, encore, comme concept. Bon. Alors, ce calendrier de l'Avent, il coûte 14,99€. Il est pas cher du tout, il se trouve chez Mouleur très facilement. Par contre, attention, c'est un produit majoritairement composé de produits faits pour le calendrier, hein, je tiens à le préciser. Ne vous enflammez pas, c'est pas des produits de ouf. Hein. En même temps, à 14,99€, faut pas en attendre non plus de ouf. Hein. C'est vrai que je pense que ça va être rigolo parce que je viens d'ouvrir le calendrier de l'Avent Douglas et le calendrier de l'Avent L'Oréal Luxe qui était très bien. Donc là, je pense que ça va me faire bizarre, mais bon. Case numéro 1. Un petit gel douche. Dans l'odeur Ingwer Cookie, donc à l'extrait de d'Ingwer. Donc l'Ingwer, c'est de la... Que je dise pas de conneries. Ah, il y a écrit Zingaber. Alors, c'est soit du gingembre, soit de la cannelle. Je sais plus. Oula! Assez particulier comme odeur. C'est très bizarre. Ça sent le liquide vaisselle. Honnêtement, ça sent pas très bon. Bon. Mitigé le premier produit, hein. Ça commence bien. Bon, bref. Case numéro 2. Case numéro 2, elle est où? Ah bah, elle est juste au fil de la 7. Case numéro 2. Oh, il y a des élastiques. Bon, des élastiques autour des produits. Tu peux m'expliquer pourquoi c'est un format inido? Comme ça, c'est plutôt pratique. Bon, alors. Allesweg crème, olive, mit panthénol, shea butter und vitamine E. Donc, au panthénol, au beurre de karité et à la vitamine E. Alors, c'est mignon le packaging, hein. Mais alors, pourquoi c'est sous forme de sachet? Je comprends pas trop. C'est sans microplastique, youhou. Encore heureux. Ça s'écrit en français. Crème multi-usage olive AVO. La crème multi-usage au panthénol et au beurre de karité à la vitamine E nourrit les zones rugueuses et sèches sur tout le corps et la peau reste délicatement parfumée. On sent que c'est une traduction Google Traduction. C'est très mal traduit. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je crois qu'on en a deux, des produits comme ça. Peut-être que je les mettrai dans un petit pot, parce que là, franchement, c'est pas du tout pratique. J'aurais pu faire un effort, hein. Enfin bon. Case numéro 3. Juste là. Alors, c'est une crème pour les mains. Rosa Powder Shree. Ah. C'est à l'argile rose. C'est écrit Limited Edition dessus. C'est Mims, ça fait 30 ml. C'est Made in Germany. C'est vegan. Bon, la compo est pas mal du tout. Hein. C'est très léger, ça sent bon la rose. Ah ouais, d'accord, ok. C'est une crème pour les mains, genre lotion. Pour les mains. Ça sent bon. Ça sent bon, ça fait pas mal ça. On nous dit baume pour les mains. Baume pour les mains poudreuses. Ouais. Ouais, t'inquiète.
la traduction est vraiment iconique. Case numéro 4. Attendez, la case 1 était là. Alors, c'est un... Qu'est-ce que c'est ? Bas de sirop. Ok. Ça ressemble à du sirop, en effet. Christmas Toffee. Mit caramel durft. Oh ! Papa caramel ? Alors oui, c'est couleur brun caca. Ah, ça sent bon, ça. Ça sent le caramel. Vous savez, les flacons, là, ils me font trop penser aux flacons de gel hydroalcoolique. Ça me stresse. Vraiment, on dirait des flacons de gel hydroalcoolique. Case numéro 5. Encore une crème pour les mains. Eh ben, on va avoir les mains réparées, hein. Crème pour mains AVO. Aux extraits d'huile naturelle de camomille, compatibilité dermique confirmée dermatologiquement. Oui, bon. Alors, ils ont voulu faire un effort de traduction, mais c'était pas obligé. De toute façon, rien de spécial. Ça, c'est un produit de la collection permanente. Bon. Cool. Toujours un 30 ml. J'ai l'impression qu'il y en a 44 des crèmes pour les mains. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh putain. Eh ben, on va rigoler. Case numéro 6. Où est-elle? Je galère un peu. Alors, toujours emballé qu'un élastique. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours un sachet. Oh non! C'est une crème. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Crème nourrissante. Magie d'hiver AVO. Crème pour le visage et le corps au beurre de karité et à l'huile de tournesol protège la peau du dessèchement. Ouais, bon. C'est un 15 ml. Enfin, c'est pas terrible, hein. Enfin, c'est quasiment les mêmes formats que Calverdé, hein, tu me diras. C'est juste que là, c'est dans un sachet. C'est moins pratique. C'est tout. Bon, pourquoi pas. Ça, je crois qu'on en a deux, hein, des trucs comme ça. Bah, j'attendrai d'avoir les deux et je les foutrai dans un pot. Ce sera beaucoup plus pratique. Case numéro 7. C'est juste là. Qu'est-ce que c'est? Body lotion. Winter Traum Vite. Mittweiser Tonert. Donc c'est à l'argile blanche. J'adore les packaging, par contre ils sont très choupis. Bon. Ah, ça sent bon, ça. Ah ouais. Ça sent bon. En plus ça m'a l'air bon. Ça, je sais pas si je le garderai en hiver, mais bon. Donne une sensation de... Stimule les sens et donne une sensation de bien-être. Ils font peut-être un peu loin. Case numéro 8. C'est ça la case 8? Alors, douche gel. Donc c'est un gel douche. Gel douche, Zeus mandarine, mit vanille et mandarine. Ouh, j'adore les odeurs de mandarine et de vanille. Oh non. Oh non, c'est complètement raté. Ah, c'est pas terrible. Hein. Ça sent le Fanta. Orange. Really. Bon. Ce fut une grosse descente aux enfers, ce truc. Alors, ça sent en soi pas mauvais, mais ça sent le Fanta orange. Donc bon, pourquoi pas. Après, why not, hein, mais bon. J'avoue que je comprends pas trop les bails. Case numéro 9. Encore une body lotion. Alors... Zaubert Aft Mit je sais pas quoi d'où. Ah, c'est tout épais. Oh, de la crème partout, moi. Ah, ça sent bon, ça. Ça sent bon, ça.
C'est pas mal ça, c'est mieux en tout cas. Case numéro 10. Numéro 10, encore un petit sac. Ah bon, ça c'est un peeling, ok d'accord. Bon là j'accepte le petit sac. Zucker peeling. Mit Apfelkern peeling corn. Peeling copper, ok. Bratapfel. Qu'est-ce que c'est? Gommage sucre pomme caramel. Ouh! Noël est dans l'air. Le parfum magique de pomme caramélisée cuite au four vous invite à rêver. Le gommage au sucre et aux extraits de pépins de pomme élimine en douceur les cellules mortes de la peau. Ça me tue, tout est traduit en français sur les produits. C'est très très drôle. Sachant que Mouleur n'est pas du tout implanté en France. Hein. Je tiens quand même à préciser. Mais ça sent bon. Case numéro 11. Voilà, Léo. Est-ce que c'est ça la case? Oui. Alors, c'est un bas de Sousatz. Je sais pas ce que c'est. C'est mignon, hein. C'est. Völlefühlhürth. Tiens, j'ai pas l'impression que ce soit. Qu'est-ce que c'est? Produit pour le bain bien-être, AVO. D'accord. Ça sent bon. Ça sent pas Noël, mais ça sent bon. Ah, c'est sûr. Ça sent bon. Case numéro 12. On est à la moitié du calendrier. J'ai l'impression que c'est passé très vite. Et encore une crème pour les mains. Eh ben putain, si on n'a pas les mains réparées. Alors... Anne Crème, limited edition, Süß Traum, mit Arganöl. Crème pour les mains doux rêve de AVO. Composition parfumée magnifiquement douce à la rencontre d'un soin riche à l'huile d'argan. J'adore les packagings, ils sont très très fun par contre. C'est très joli. Case numéro 13. Et où la 13? Elle est là en bas. Et encore une body lotion. Ouh. Putain, on va avoir le corps hydraté, les mains réparées. On va être lavé. Enfin, c'est génial ce calendrier. Bref. Body lotion Cool Selcha. Cool Shellzeit. Mit Shea Butter. Lait corporel, moment câlin de AVO. 50 ml. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même travaillé différentes textures de lait pour le corps. C'est pas la même à chaque fois. Case numéro 14. Ah bah tiens, la deuxième crème là pour le corps là. C'est la même, hein. Oui, c'est la même. C'est la même, alors oui, comme dit, j'attendrai la case 14 et je mettrai les deux dans un petit pot. Bon, ça c'est pas très grave, hein, vu le prix du calendrier, je vais pas lui en tenir compte. Case numéro 15. Où est-elle? Bah, ah. Douche Gel. Mandelduft und Finmen Café Aroma. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gel douche, amande magique de AVO. Made in Germany. C'est tout mignon, il y a des nacres, j'adore les nacres. En fait, le packaging est très choupi. Ah, ça sent bon. Je sais pas où c'est qu'ils ont mis les arômes d'amande et de café, mais ça sent très bon. Ça, oui. Ça, d'accord. Ça, ok. En fait, j'ai l'impression que c'est des produits de collection permanente qu'ils ont repackagé en nous disant « Regardez, le parfum, il est magnifique. » Bon, bref. Si tu veux. Case numéro 16. Encore un sugar peeling. Bah,
Avec un petit renard cette fois-ci. Sugar peeling. Bon, c'est vrai qu'il a l'air très doux. Franchement, on sent à peine le sucre. Alors, Pflaumen Strenzelkuchen. D'accord. Gommage au sucre, crumble aux prunes. Aux prunes. Bon, le packaging est tout mignon. C'est vrai que c'est choupi, par contre. Bon, moi, je vous conseille pas clairement d'acheter ce calendrier en mode « Mon Dieu, c'est le meilleur calendrier de l'avant du monde ». Pas du tout. Mais bon, pour un petit délire comme moi, ou pour faire un complément d'un calendrier un peu mieux, histoire d'avoir deux calendriers, c'est plutôt pas mal quand même. Casimiro 17. C'est une crème pour les mains, je suppose. Attends, on est à l'avant-dernière crème pour les mains. Incroyable. Soft Feeling. Soft Feeling Metal Antoine. Crème pour les mains Soft Feelings AVO. Soin extra doux pour les mains à l'alantoïne, apaise la peau et lui confère une agréable douceur. Il y a vraiment des produits, je me demande si c'est pas des... Oui, collection. Après, c'est vrai que les crèmes pour les mains, par contre, on n'en a jamais assez. Et c'est vrai que ces petits formats là, de 30 ml, ils sont très pratiques. Ou j'en donnerai à Myriam, etc. Vous savez, Myriam n'a jamais de crème pour les mains. Ce sera très pratique pour elle. Case numéro 18. Où est la 18? La 18 est là. C'est un bain moussant tout violet. Alors, bain moussant pure détente de AVO. Ouh, à l'huile essentielle de lavande. Pas l'huile de lavande en tout cas. C'est choupi ça. Ah, et ça sent vraiment bien la lavande. Et ça sent bon. Il y a une arrière-odeur en plus de la lavande. Je pense que c'est de l'amande, ça sent très bon. Ah, ça sent très bon ça. Ça d'accord. Ça, ok. Je suis d'accord. Case numéro 19. Qu'est-ce que c'est la case 19? Ah bah tiens. C'est notre deuxième crème là. À l'olive magique. Le petit nounours. Notre deuxième crème à l'olive. Super. Super. Hop. Case numéro 20. Après, normalement, on n'a plus de même produit. Hein. C'est des produits différents. Ah, dernier. Dernier produit pour les mains. C'est le Hande & Nagel Balsam Bienenwax de chez AVO. Donc, c'est le baume AVO pour les mains. Pour les mains et ongles à la cire d'abeille. Ça doit sentir bon, ça. Baume pour les mains. Baume, c'est vite dit. Hein. Bon, bref. Ça sent les binônes. Hein. Voilà. Case numéro 21. Bade Concentrate, alors ça doit être donc un produit pour le bain, pose, intimité, d'accord. Bade Concentrate, normalement c'est un concentré de bain, ça doit mousser un peu je pense, comme il est tension active dedans. Qu'est-ce que ça sent? Alors c'est nacré. Tiens, ça sent bon. Ça sent les cosmétiques. J'aurais mis un peu le caramel aussi. Ça sent bon ça. Ouais. Encore une fois le packaging très sympa. Case numéro 22. Numéro 22, ça peut être ce truc. Ouais. C'est... Qu'est-ce que c'est? L'Ecor Winter Home AVO en hiver, la maison est le plus bel endroit du monde. Le lait corporel à l'extrait de guimauve et au beurre de karité souligne ce sentiment agréable que l'on ressent chez soi. Bah écoutez, les produits sont plein de promesses, dis donc. C'est très mignon, les packaging, par contre. J'aime bien. Case 22. Où est-elle? On en a fait la 22. La 23. Je suis un peu perdu, moi, vous savez. Que
que c'est. Non, c'est quand même pas ça. Oh non, pas encore un Zucker Peeling. Oh non. Encore un Zucker Peeling. Ah bah oui. Oh non, en plus c'est le Bratapfel de merde là. Oh non, ça c'est nul ça. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul ça. Non. Non, non, non. Ça je suis pas d'accord. En plus, ils pouvaient pas mettre les élastiques de la même couleur. Non, non. Les élastiques, c'est des couleurs différentes à chaque produit. Case 24, c'est un produit de la collection permanente. Et en vrai, c'est assez drôle. Et en vrai, vous savez que j'ai pris ce calendrier de l'avant uniquement pour ça, parce que je trouvais ça très drôle. C'est un masque pour les mains. Voilà. À 20% d'aloe vera. C'est du grand n'importe quoi. C'est très drôle. Masque tissu pour les mains. Utilisation enfilée les gants sur des mains. Laver et sécher. Laisser agir le produit pendant 20 minutes. Ôter les gants et faire pénétrer l'éventuel excédent par massage pour une peau douce. Tolérance textée sous contrôle. Confirmé sous contrôle dermatologique. Remarque, le masque non réutilisable ne convient pas aux enfants. Voilà, bon, c'est très rigolo. On testera ça, je trouve ça très très fun. J'en ai jamais fait des masques comme ça. Et en vrai, j'ai quasiment pris le calendrier de l'avant uniquement pour la case 24. Parce que je trouvais ça très drôle. Je vous avoue, je trouvais ça extrêmement fun. Cette idée complètement loufoque de se dire, tiens, et si on mettait un masque pour les mains dans la case 24, qui va avoir le temps de faire un masque pour les mains à la case 24? Personne. Mais juste l'idée d'avoir mis ça en case 24, je trouve ça complètement débile, j'ai adoré. Bon, qu'en pensez? Bah écoutez, si vous aimez bien les crèmes pour les mains, les gels douche, les produits en double et les laits pour le corps, why not? Il n'y a aucun produit visage, il n'y a vraiment que des produits pour le corps, c'est à savoir. Par contre, l'espèce de carton à la con là, alors ça par contre non. Je vais essayer de faire attention pour que ce calendrier ne se mélange pas tout seul dans... dans son calendrier. Mais bon, bref. Moi, je vous tiens au courant de ce calendrier parce que clairement, on va rire. Hein. Ça, je vais vous l'ouvrir sur Instagram. Je pense que les gens vont rire avec moi tellement c'est fun, genre. Et puis voilà. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'on sent que c'est un calendrier de l'avant pas cher, quoi. Le carton, bon, voilà. Enfin, vous voyez, on peut tout enlever. C'est pas du tout... c'est pas très bien fait. C'est pas... Bon, le carton est vraiment d'une qualité médiocre. Mais bon, est-ce qu'on peut en demander plus, sachant que ce calendrier de l'avant il coûte 14 euros? Non. Ah, je vous ai fait tomber, excusez-moi. Bon, écoutez, avant que ça dégénère, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.